Waouh! Quelle vue! Je pourrais très vite y prendre goût. Ouais. Les gars, je veux un château. Bonjour, je suis Romain Duris et je joue le rôle de Flynn Rider. J'adore le film. Non, vraiment, j'ai été emporté. Ému, touché, amoureux. Ah ouais, ouais. Ah, carrément. Cette année, je n'ai que des rôles de méchante. Alors, je suis très contente. Moi, ce qui m'amuse, c'est de faire passer c'est de rendre attachant un personnage terrible. Très bien. Mère, comme vous le savez, demain est un jour un peu spécial. Réponse. Regarde dans ce miroir. Sais-tu ce que je vois? Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Oh, tu es là toi aussi. Cette mère Gothel, c'est une personne assez perfide et qui dit des horreurs, mais d'une façon super suave. T'es taquine, cesse donc de tout prendre au sérieux. Je trouve que c'est vraiment la personne idéale pour faire ce rôle et je l'ai vue en action tout à l'heure, elle m'a fait rire. Et vraiment, elle a un rire communicatif. Je me suis beaucoup amusée, beaucoup, beaucoup amusée. Je crois qu'on ne peut pas faire ce type de travail sans que ce soit jubilatoire. Trésor, je te taquine. On libère toute sa fantaisie, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la force de mon instinct et de ma fantaisie. Et je me suis amusée autant qu'elle m'amuse. Je vois bien que vous n'êtes pas du tout en paix avec vous-même. J'ai une chevelure magique qu'il faut protéger. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut la fille aux cheveux magiques. C'est une vraie princesse des temps modernes, pas nunuche du tout. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. C'est pour ça que c'était d'autant plus agréable à la jouer, parce que elle a vachement de caractère, elle sait ce qu'elle veut. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivée jusqu'à moi? Elle sait se faire écouter. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivée jusqu'à moi? J'ignore qui vous êtes et je ne sais comment je suis arrivée jusqu'à vous. Mais permettez-moi de vous dire... Salut. Ce Flynn Rider, c'est un espèce de charmeur, mais loser. Je trouve qu'il apporte vraiment ce caractère-là, Romain Duris. Comment ça va? Moi, c'est Flynn Rider. Il a une façon de s'exprimer, vraiment le mec qui se la pète un petit peu comme ça, et on sent qu'au fond, pas du tout. Alors, la vie est belle, hein? Vous voulez dire, par rapport à se dévoiler de plus en plus, la fragilité, le fait de se la raconter, puis finalement d'avoir un cœur tendre, je sais pas. Oh, qui d'autre connaît l'endroit où je me cache, Flynn Rider? Du calme, ma jolie. Réponse! Il sait s'en sortir avec son petit côté de séducteur, ouais. Oh là là, il le fait mieux que moi, lui. Moi, je suis incapable de faire ça. Il le fait mieux que moi. Non, non, moi, je m'en tire comme ça. Elle est dans ce pot, c'est ça? Parfait, impeccable! Attends, on aura pas mieux. Vas-y. J'ai pris un vrai plaisir à chanter des vraies belles chansons Disney comme à l'époque de La Petite Sirène. Et je vois dans ce regard que les lumières brillent pour nous. Et dans la douceur du soir, je sens que le monde a changé. C'est un vrai classique au sens intemporel de Disney. Tout en gardant la modernité de l'humour d'aujourd'hui. J'aime beaucoup du coup ce mélange de tradition et de modernité. Et c'est vraiment un film qui aime et qui respecte les enfants. Voilà. Ça en fait des cheveux. Décidément, c'est pas mon jour. D'habitude, ça marche à tous les coups. Oh. Va, accomplis ton rêve. Compte sur moi. Ton rêve, il est nul. C'est à elle que je parle. Ouais.